Bonsoir YouTube et bienvenue sur cette nouvelle VOD que j'ai oublié de lancer. Écoutez, vous n'avez rien raté de grand chose. Et bah, vu que j'ai déjà 100% mon stat et que bah, j'ai fini mon stream, on va dire, sur FNAF Into the Pit, vu qu'on est samedi, que j'ai terminé à minuit, et bah, vu qu'il était très tôt, je me disais autant continuer. Et du coup, je me suis dit, en vrai de vrai, voilà, vu que cette semaine j'ai fait du mon stat. Autant finir mon stat. Donc du coup, bah, j'ai lancé le 100% de Dodragon. Puis voilà. Ça y est, vous avez toutes les informations. Bon alors, ici. Blablabla, blablabla. Faut aller à l'est. Mais attends, mais j'ai déjà fait ça. Attends, il faut que j'aille où là, normalement? L'est, là où la mer rencontre la montagne. Mais si, j'ai déjà fait ça, ça me dit quelque chose. Mais là, j'ai plus de chemin. Oh, attends, à l'est. Ouais, mais où exactement? Attends, je vais taper sur internet. Le blizzard s'est enfin calmé. Le blizzard s'est enfin calmé. Qu'est-ce qu'il me dit après? C'est peut-être bon signe. C'est peut-être bon signe. Je tape Genshin. Ouais, ok, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Donc là, je suis aux notes abîmées numéro 2. Après, il y aurait les maps abîmées numéro 3. Ah, c'est juste pour avoir un succès. Bon, à la limite, on peut le faire. Bon, on pourra le faire tout à l'heure, au pire. Quand on sera à l'est de Dodragon. Je suis pas sûr de l'avoir fait, ça. Bon, alors. Donc, on est là. Bah, du coup, je vais aller en bas à gauche. Bon, le problème, c'est que j'ai froid, donc... Je vais retourner là, quand même, au cas où. Donc là, on monte. On aura un coffre de mob. Un coffre au niveau de la hutte. Et encore à gauche, on aura un autre coffre. Là, faut que j'aille là-bas. Alors, dès qu'on voit des brutaux, voilà. Là, on avait un coffre normalement ici. Là, dans la hutte, on était censé en avoir un autre. Je ne sais pas où exactement, par contre. Ok, vraiment dans la hutte. Du coup, il n'y en a pas. Non. Et là, si j'allais à gauche. Ah, peut-être là-dedans. Là. Non. Attends, où ça exactement? Ici, normalement. Bon, je pense que je l'ai déjà pris, hein. Je sais pas où il était censé être exactement. Alors... Ouais, non, il était... Il était au pied du caillou. Ah ouais, non, il était censé être là. Ah bah peut-être que si je bute ce bruto, il va me le donner, ce coffre. Genre là, si je creuse, non. Normalement, il est censé être ici. Peut-être là. Non. Oh, j'en sais rien. Et ce qui m'étonne, c'est que le gros, là, il me donne même pas un coffre. Genre lui, il est là, mais il donne rien. Non, c'est un peu étonnant, quand même. Oh putain, level 100. Bon, après, il est pas plus dangereux que ça, en vrai. Ouais, non, il me donne rien. Mis à part des gros drops. Ce n'est pas indiqué sur la map. Sur ma map interactive, ils me le disent pas qu'il y avait ce coffre. Comment ça se fait? Attends. Oh non, me dis pas que c'est ce que je pense. Oh non, c'est le truc qui s'appelle Ennemi redoutable. Ennemi récompense unique. Oh putain, je savais pas que les ennemis comme ça, ils pouvaient nous donner des coffres. Ah, mais ça veut dire que... Ah oui, c'est ça. Les coffres qu'il me manque à mon stat normal
Ce sont des coffres d'ennemis comme ça. Ça veut dire qu'à Fontaine, sans... Attends, je regarde. Oh putain, c'était ça. À Fontaine. Oh, quoique, en vrai, non. À Fontaine, là, il y avait une région, la région de la forêt. Et là, je vois qu'il y avait un gros ennemi à affronter qui me donnait un coffre. Mais en réalité, cet ennemi-là, c'était rien de particulier. Ah putain, mais je savais pas que dans la map interactive, il fallait les sélectionner. Ouais. Ah bah, j'ai bien fait de l'affronter pour le fun. Bah écoutez. Tant mieux. Du coup. Hop. On retourne là. Alors, si je vais à droite. Alors, normalement, bah, dans l'endroit que j'ai vu avant, il y avait un coffre que j'ai vu. Enfin, qui était dans les cages. Bah là, écoutez, full droite. On est censé voir une fée ardente. Bah heureusement. Bah, ça fait quand même déjà deux coffres. Hein. C'est quoi ça? C'est des ennemis ça? Ok. Putain, j'avais totalement oublié qu'il y avait ce truc. Alors. Bah je crois que la fée était censée être là. Hein. Je vais regarder. Elle était censée être où? Elle est au niveau de chauffage. Le truc qui chauffe. Il n'y a rien qui chauffe. Ou peut-être là-bas. Je sais pas. Alors, il y a une hutte normalement de Bruto. Alors, c'est pas une hutte de Bruto. C'est juste des ennemis normaux. Et il n'y a pas de coffre avec eux. Bah, en vrai, je pense que les ennemis redoutables, je serais chaud d'aller me les faire parce que c'est. Enfin, je pense que j'en ai affronté très très peu. Hein. Alors en bas à droite du chemin, normalement, ici là, on a un coffre qui est protégé par des blobs. J'imagine se trouve dans ce coffre. Même pas. Enfin, dans ce bloc. Bon, je pense que je les aurais vus. Bah écoute, on va aller en bas à droite. Alors, écarter les fées d'une distance égale, résoudre l'énigme, débloque un boss, le battre, débloque une agate pourpre. On a un coffre ordinaire à côté d'un défi, un mécanisme, et une mini-énigme où il faudra péter toutes les plantes bleues qui sont sur le mur. Mais je pense que ça, je l'ai fini. Oh putain. Ouais, vu la gueule de l'endroit, j'ai dû le faire ça. Et après, c'est où que normalement il y avait un coffre? Enfin, il y a une autre mini-énigme. C'est quoi? C'est sur la face là? Non, je sais pas où exactement, mais normalement, si je montais le mur. Peut-être si je. Ouais, c'est peut-être en montant que je le verrai. Normalement, il y a quelque chose à faire ici. Boing. Alors, oh la vanne. La vanne. Ouais, quand on n'a pas casu-zu, compliqué. C'est compliqué de la grimpette sans casu-zu. Ouais, je devrais peut-être le prendre. Mais après, l'avantage c'est que j'ai Arlecchino dans ma team. Ouais, j'ai un doute. Je crois que c'était là, hein. Mais j'aimerais bien m'en assurer histoire de pas valider cette. De pas valider celle-là. Ouais, si, ça a l'air d'être là. Hein. Peut-être ici. Attends, c'est où sur la map exactement? Ah oui, non, c'est beaucoup plus haut, c'est là. Ah, c'est pas là où j'étais. C'est encore plus haut que je dois vérifier. Oh non, on devait avoir froid. C'est pas potable. Ah, je crois. Attends, est-ce que c'est là? Ah, c'est ici. Ouais. Ah putain, et du coup, je l'ai pas fait. Ok. Bah, j'ai bien fait.
Ah mais je l'avais déjà fait. C'est vrai que ça me disait quelque chose, mais bon. Faut faire exploser tout le feu pour faire découvrir le coffre. Ok. Et après, il y a un coffre ordinaire tout en haut ici. Bon, je pense que je l'ai déjà pris celui-là, hein, c'est quasi sûr. Quasi sûr que je l'ai déjà pris. Alors, si on va en bas à droite... alors, c'est où? C'est là. C'est là. On a un défi, et lui, je suis quasi sûr de ne pas l'avoir fait. Parce qu'il me dit rien. J'ai aucun souvenir d'avoir fait ce défi-là aussi tôt à Mondstadt, pour moi. C'est pas maintenant, normalement. Ah, quoique. J'ai peut-être déjà fait. Je crois qu'il est censé être là. Ouais, il est à côté d'une zone blanche de neige. Ah bah ça devait être à dos dragon qu'on les voyait pour la première fois, ces trucs-là. Eh bah écoutez, tant pis. Hop, marqué. Où est-ce que je peux aller? Bon allez, on peut aller là. Et attends, là, ils me disent quoi? Il faut finir le défi pour obtenir le coffre. Bon, j'imagine que j'ai déjà. La fée ardente, c'est pour débloquer le boss. Mais moi, j'ai déjà ce boss, donc je suis pas concerné par tout ça. Et c'est quoi? C'est qu'il fallait ramener 4 fées ardentes, c'est ça? J'imagine. Alors, si on va là, on a une fée. Si on va là et... juste à côté, on a une fée, et là, on a un coffre caché. Oh là. Je crois que j'ai déjà fait tout ça. Putain, l'hypostase cryo, que je devais fermer pour eux là. Hein. Je rappelle, hein. C'était horrible. Horrible pour moi. Donc c'est quoi? C'est ici qu'il y avait une fée, normalement? Non, un peu plus haute. Ah ouais, ok. Dans une zone qui est rouge. Ouais, je peux pas aller plus haut. Bon, attends, on va tranquillement se régène. Et Zébardia. Je dois. Ah, faut monter. Mais c'est pour ça, de dragon, c'est long, bordel. C'était bien, mon stat, c'était rapide. Je pense après, si je veux faire Sumeru, je pense que je suis obligé de me débarrasser des quêtes. Parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont bloquées à cause des quêtes. Alors qu'on était beaucoup plus tranquille à Fontaine. Hein. Au niveau des quêtes, on était beaucoup moins emmerdés. Ah putain, je pensais que je pouvais courir ici. Putain, c'est chiant parce que je sais même pas si je suis trop haut ou pas là. Ah si, je suis trop haut. J'ai l'impression qu'il faut aller dans une grotte. J'ai l'impression que là, ce que je dois récupérer, la fée ardente, elle est dans une grotte, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être que c'est censé être là, hein. Et est-ce qu'en dessous, il y a une espèce de grotte? Non. Bon, écoutez, je vais la noter comme étant pas prise parce que j'en sais rien. Donc on va aller là-bas maintenant. On va se réchauffer un petit peu. Ouais, l'Hypostas Cryo, c'est l'un des boss les plus chiants en frontage, je crois. Hein. Un boss qui est très désagréable. Hein. Parce que t'es obligé d'avoir le bon type pour la taper. T'es obligé d'avoir du pyro, sinon c'est mort. Bon bah j'imagine que j'ai déjà pris ce coffre et après le coffre scellé. Alors est-ce qu'il y a un coffre scellé quelque part? Pas l'impression, même en dessous il me semble. Bon je pense que je l'ai déjà pris ce coffre. Donc écoute, maintenant on va monter. Et on est censé en avoir un autre. Misère.
Ah, et là, ça rougit. Ah, mais c'est le soleil qui faisait rouge tout à l'heure. Ah, lui, s'il est comme ça. Hé. 97, s'il vous plaît. Let's go. Let's go, 97. Putain, et j'ai pas fait tant que ça. Hein. Actuellement, faut se dire, j'ai chopé 2%, j'ai fait que cette zone-là. Donc, c'est bien. Là, je vois qu'il y a un coffre enterré que j'ai pas checké, qui est là. Donc, en vrai, on va y aller parce que j'ai pas vérifié. Et là, je peux y aller surtout. Ah. Imagine, faut allumer. Let's go. En plus, c'est un gros coffre. 97. Allez, c'est pas grave, au moins ça nous avance. Alors, maintenant qu'on est là. Ah, je vois qu'il y a un mécanisme à pression. Avec un ordre qui n'a aucun sens, donc je pense que je ne l'ai jamais fait. Il est par là, je crois. C'est vrai que ça me dit rien, ce truc. À la limite, on peut aller le faire, comme ça. Encore une fois, hein, moi, dès que j'ai 100%, je me casse de Dodragon. J'avais vraiment pas envie de revenir dans cette zone de toute façon. Et évidemment, pour le mien du 100%, je n'avais pas le choix. Ah, mais faut que je monte là. Bon, en vrai de vrai, entre nous, je pense que je l'aurai dès ce soir. Assez rapidement en plus. Alors, c'est ici. Ah, mais si, j'ai déjà fait ça. Ah, si, je peux encore les allumer? Attends, je crois que c'est la première celle-là, non? Attends, il est où mon screen? Ah, quand t'es en face. Ah oui, c'est vrai que ça n'avait aucun sens ce truc. Sinon, moi, ma théorie, c'était tac, tac, tac. Et après, peut-être tac, 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 tac. Ce fut un passage éclair, mais je vais dormir, moi, je suis claqué, j'ai du taf demain. Eh bah, bonne nuit et merci d'avoir été là, Ouyan. Écoute, si tu veux me voir, si tu veux me voir avoir peur la semaine prochaine, je serai encore sur FNAF. Voilà. Allez, bonne nuit. Ouais, non, je regarde l'ordre, pardon, il n'a aucun sens. Donc lui, c'est le numéro 1. Lui, c'est le numéro 2. Ah, mais ça s'éteint direct. Le numéro 3, il est là. Après le 4, il est à ma droite. Après le 5, il est là. Après le 5, il est là. Après le 6, faut que je monte. Le 7, je crois que c'est celui qui est là-bas. Et après le 8 qui est tout en haut. Je crois que c'est pour ça que je l'ai jamais fait, c'est parce que c'est de la merde. Est-ce que ça s'est activé? Est-ce qu'il y a moyen de reset? Bon, attends, on disait. 1. 2. Trois. 4. 5, 6, 7, et 8. Ouais, je l'ai peut-être déjà fait. Hein. Je l'ai peut-être déjà fait. Bon, bah, vu qu'on est là, je vais en profiter. On va monter. On a de la glace antique à péter. Bon, je pense que je l'ai fait ça. Je pense que je l'ai déjà fait ça. Souvent, il y avait des trucs pour prendre sous. Ah, tu vois, là, ils nous en donnent une. Ah, t'es le petit raton, elle adore. Hop. Ah, le raton de papier. Bon, par contre, j'ai fait une connerie. Parce que du coup. Attends, bonne nouvelle, s'il y a une fée là, ça veut dire que la plus proche, elle a été faite.
Et là, normalement, littéralement devant moi, je suis censé voir la glace. Donc, c'est qu'elle a été évidemment faite. Et le défi contre la montre, il est en haut et il a été fait. Eh bien, écoute, on va continuer. On va aller à droite. Alors, dans la hutte, on a des fatuis. Après, à côté d'une torche, à côté d'un os, j'ai l'impression, on a un coffre. Et pareil, à droite, sur une hutte, on a un coffre. Donc là, là et à peu près là. Alors, je crois. Non, c'était pas ici. C'est juste en dessous. Mais non! Non, mais c'est fou que j'ai pas récupéré ce genre de truc. Alors, après. Ouais, je crois qu'il était là. À côté d'un. Attends, mais je retrouve pas l'endroit. Non, je suis trop. Ah oui, non, je suis pas du tout au bon endroit, c'est là-bas. Ah voilà, c'est ici. Ici, normalement, on avait un coffre. Mais j'imagine, c'est quand on les bute. Les fatuits. Et après, en haut à gauche, normalement, on avait un coffre. Mais bon. Lui, je pense que je l'ai déjà fait. C'est un coffre qui doit être assez visible. Quoique. Quoique, peut-être pas, hein. Ouais, non. Non, non, je pense que je l'ai déjà fait. Alors. Putain, mais là-bas, il y a un coffre aussi. Bon, attends. Ouais. Ciao, ciao. Alors. Normalement, eux, en fait, ils ont un coffre aussi. Et il y a une fée en bas à droite qui est en plein milieu à côté d'un buisson. Donc vu que je vois pas la fée, évidemment elle a été faite. Là ça va être vraiment le jeu pour moi. Trouve la seule fée qu'il te manque. Alors si je continue. Alors on aura un coffre au pied du pawn. J'ai peut-être pas pris ce coffre. Sauf s'il se voyait. Oh. Oh là 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 là. Moi ça m'arrange hein. Ah putain 97, pourtant j'ai pris 3 coffres. Moi ça m'arrange hein. Il me manque des coffres aussi simples. Moi ça m'arrange. Ça veut dire que je vais pas devoir me taper tout dos dragon. J'avoue, vraiment, je n'ai pas envie. Alors. Normalement, ici, on avait un coffre avec eux. J'imagine que c'était là. Je vais juste checker. Yes. Ouais, normalement, il était là-dedans, le coffre. Et à gauche, là, ouais, on a vu, il y a un mécanisme qui a été fait. Alors, si je fais full nord. J'ai un coffre au pied de l'eau, à côté d'une branche qui est à moitié dans l'eau. Et après, the chest should come out of the ground partially. Ah. Et là, sur cette mini-île-là, il y a un coffre que, a priori, je n'ai peut-être pas pris. Parce qu'il sort... Ah, non mais mec. Aïe, aïe, aïe. Alors, putain, 97, mais... Bah, je pense qu'il me manque beaucoup de coffres, finalement. Et là, ils me disent que le coffre, il sort partiellement du sol. Ah bon. Je pense que je l'ai surtout pris, en fait. Mais... Si je le vois pas. Ouais, Dodragon est une région vraiment dangereuse, en vrai. Ouais, non, mais je pense que le coffre, je l'ai pris. Hein. Sauf s'il faut que j'utilise... Ouais, non, c'est pas interagissable, ça. Non, non, mais je pense que je l'ai déjà pris. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner sur la berge en bas. Et on va continuer. Hein. Alors, faut juste que j'arrive à me barrer. Parce que c'est vrai que là, je suis pas dans des bonnes conditions. Alors là, on a une fée. Donc la plus proche, j'ai pas besoin de la prendre. Alors, en bas... On a des brutaux qui sont censés garder un coffre à peu près ici. Et après, si je descends encore là, il y a un coffre caché. Donc je pense que je vais y aller maintenant. Oh, les brutaux, j'ai aucune idée d'où. Putain, mais ils continuent de me taper, eux. Alors, donc là, faut que j'aille à gauche. Bon, ça, c'est un coffre, je pense que je ne l'ai pas pris.
crois qu'il était censé être là. Ici, là. Il est où ce coffre exactement? Il est sur une zone de neige. Ah ouais, il était censé être là. Ouais, ici exactement. Bah, je pense que je l'ai pris parce qu'il est à côté de minerai d'argétoile. Et le minerai d'argétoile, je le récupérais pour faire l'arme de là. Donc, continuons. Donc, en haut, on a un mécanisme et on a un coffre qui est sur le pont. Donc, je pense que je l'ai. Et après, il y a un coffre scellé juste à côté. Lui, il y a de grandes chances que je ne l'ai pas, par contre. Ouais, là-bas, je vois qu'il y a un truc... Il y a un truc dans la glace qui est sous le pont. Donc, je l'ai probablement pas fait. Ouais. Donc ça, ça a été bien fait. Et ça, ça a pas été fait, par contre. Et là, j'ai 98, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, est-ce que c'est bon, là, au bout d'un moment... Et le défi contre la montre, je l'ai même pas vu. Il est au bord de l'eau. Ah oui, il est là. Ok. Alors, bah, on va continuer tout droit. Alors, coffre précieux qui est au niveau d'une hutte. Et après, dès qu'on remonte... Donc là, il y a un coffre précieux. Là, il y a un coffre, je crois, dans de la glace. Je pense que c'est les coffres dans la glace qui vont me permettre de choper ce qui me manque. Hein. Alors... Hé hé... Attends, on va se régène. 98 toujours, mais bon, on obtient des coffres. Ouais, je pense que c'est les coffres cachés qui me manquent. Hein. Je pense que j'en ai débloqué très très peu. Alors, bah, on va continuer de longer. Donc à peu près par là, on a un coffre. Après, si on va là, on a un coffre. Enfin, glace antique. Donc, en vrai, je pense que je vais d'abord aller voir la glace antique. Je pense devrait être là où je suis. Ah, je l'ai pas débloqué. Hey, hey, hey. 98. Ouais, je pense qu'il faut 4 coffres pour choper 1%. Mais bon, en vrai, vu la vitesse à laquelle je vais, je pense que là, deux dragons, c'est free, en fait, pour moi. Je l'avais déjà bien exploré, deux dragons, mais je pense qu'ils sont surtout très... très sympas. Ouais, t'es très très large en coffre, hein, j'ai l'impression. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'en croise beaucoup des coffres alors que j'étais déjà à 95%. Bah écoutez, j'ai comme l'impression que cette VOD sur Genshin va être méga courte. Il me manque déjà plus que 2%. Et bah du coup, maintenant, on va aller vers le pont. On a un coffre à peu près par là, mais bon, vu que de souvenir, il y a de l'argent étoile là-bas, je pense que je l'ai déjà pris. Et après, on aura un coffre... un coffre sur le pont cassé et un coffre qui est sous le pont. Mais ils me disent quelque chose, ces coffres-là. Déjà, on va regarder en haut. Et évidemment, lui, je l'ai déjà pris, parce que comme j'ai dit, il y a de l'argent étoile à côté. Alors, je ne sais plus où, mais je sais qu'il y en avait. Là, il n'y a plus rien. Et là, il y avait un coffre scellé, il me semble, en dessous. C'est quoi? C'était en dessous du pont qu'il y était? Exactement. Alors, si on descend full bot... Ici, on est censé avoir de la glace antique. Attends, on va en profiter. Hop. Alors, tch. Ah bah j'imagine qu'ici, il y avait un coffre. Yes, et la glace antique, bah vu que je l'ai pas vue, je pense que c'est qu'il n'y en a plus. Donc là, si je vais à droite, il y a une autre glace antique qui est au pied d'un arbre. Ouais, mais là, vu qu'on est à l'entrée de dragon, je pense que j'ai tout. Bon, là, je sais... Ah. Attends, là, il y a un coffre. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Ah non, fallait juste buter la meuf. Et après, au pied de l'arbre... Ouais, c'était au pied de cet arbre-là. Donc là, tout ça, ça a été fait. Bullbot, fullbot, allumer les 4 torches pour faire apparaître l'ennemi et révéler le coffre. Aha. Alors, les 4 torches. Et je ne l'ai pas fait. Ah merde. Ah, ça m'active pas le feu. Bon, tant pis.
Ouais, faut que je change d'équipe, je pense. Ouais, mais... Ah, mais comment je fais? J'ai besoin de réinitialiser mon truc. Ouais, je lui fais rien, là. Ah si, je peux lui péter son shield, quand même. Voilà. Comme ça, en plus, je suis en mode pyro. En plus, j'ai récupéré mon ult. Allez, on se dépêche. Tant que j'ai mon enchantement pyro. Tac. Tac. Et tac. Ça fait spawn un ennemi, du coup. Ah, ça fait spawn lui. Eh ben, nickel. Putain, le big coffre. Il racontait quoi là-dessus? Ok, ça donnait aucun indice. 98. Alors, si je vais full à droite, on a deux coffres. Alors, un au pied de caillou et l'autre qui est au top de la rivière. Ouah, ça me dit rien du tout. Je pense que je les ai pas pris, ces coffres. Alors, un au top de la mini-cascade, je voulais dire. Donc, le premier, je l'ai pas. Enfin, je l'ai déjà pris. Et après, le deuxième, il est du côté plante. Ah, donc, j'ai déjà pris, du coup, celui-là. Étonnant. Enfin, j'ai aucun souvenir de cela, pourtant. Eh ben, écoute, continuons par là. Alors... Ici, on a un coffre qui est dans de la glace, donc je pense que je l'ai déjà pris. Il faut toucher et se battre contre les mages. Le coffre apparaîtra par la suite. Ici, du coup, on aura un coffre après. Donc j'imagine que le coffre était là avant. Ouais, vu que je vois rien. Et là, il m'a dit de toucher l'épée. Mais ça, je crois que je l'ai déjà fait. Ça me dit quelque chose. Ouais, je peux plus toucher l'épée, là. Non, mais je l'ai déjà fait. Ça me dit quelque chose. Ok. Bah, on va continuer de faire le tour. Je pense que là, ce que je dois faire, c'est le tour. Hein. C'est grâce à ça que j'y arriverai. Alors, du coup, si je vais là, j'ai un coffre. Si je vais à droite là-bas, j'ai un autre coffre. Je sais pas c'est quoi le plus proche. Alors, on va aller là-bas. Ah, je sais pas. Je pense que j'ai fait ça quand même. Après, on sait jamais. Bon, à la limite, pour le fun, on va tous les tuer. Allez. Ah, tu fais comment, je sens ton shield. Oh, petit bâtard. Vas-y, tombe. Ouais, bon, y a rien. Y a rien. Non, c'est vrai que ça, quand t'es pas bien, c'est dur. ouais, du coup, on va aller voir le coffre. Alors, c'est un coffre qui est vraiment censé être en plein milieu, je crois. Ouais, y a rien. Ouais, bon, ok. Il était censé être là. Hein. Bon. Ok, on va descendre. Oh, alors là, impossible. Là, il y a un coffre ici. Non, même pas, ici. Impossible. Impossible que je l'ai pris, celui-ci. En plus, t'es obligé de le faire avec Ember. Alors lui, j'y crois, zéro. Impossible que je l'ai récupéré. Bah ouais, évidemment. Évidemment. C'était impossible que je l'ai pris, lui. Ah, je l'ai vu, je me disais, non, ça c'est trop malin, j'ai jamais pu y penser. Normalement, je chope mes 99% sur ça. Let's go. Let's go.
Bah, je pense que je vais continuer de faire le tour, hein. De toute façon, moi je l'ai dit, hein, pour moi le secret c'est les coffres cachés. Alors je vois qu'il y a un coffre précieux accompagné de l'agate pourpre. Ok, je vois qu'il y a un autre coffre scellé après. Ah oui, par contre elle a pas beaucoup de vie Ember. Arrêtez de me tirer dessus! Ah putain, et en plus dans l'ombre on fera plus tôt. Attends, tac tac. Voilà, comme ça tu restes en vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je crois qu'il y a un coffre ici, j'avais cru voir. Alors, il y a un coffre scellé. Là, je crois. Aïe. Ouais, très probablement là-dedans. Je peux péter ça? Non, ok. Non, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas. J'ai pas d'infos. Accompagné de l'agate pourpre. Bon, j'imagine que là, il y avait un coffre en butant ces mobs-là. A priori. Bon, je vais pas le noter comme étant pris parce que j'en sais rien. Là, il y a un coffre. Oh, il y a un coffre qui est caché, là. Là, il y a un coffre qui est caché. Ouais, souvent, quand il y a des coffres cachés, il y a d'énormes chances que je ne les ai pas récupérés. Merde. Failli me noyer. Peut-être switch, moi. Hein. Oh, putain. Tu te fous de ma gueule. Quand je m'apprêtais à le faire. Bon allez. Soignons la team. Ah bah il est là le coffre. Non bah c'est bon, c'est officiel, hein, j'aurai le 100%. Ah je suis très content que le 100% d'eau dragon je l'ai. Hein. Bah j'ai bien fait hein, à l'époque de tryhard d'eau dragon quand même. Hein. Parce que du coup ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'embêter. Alors normalement, devant moi il y avait une fée. Ouais bon... Ce serait marrant qu'elle soit là la dernière fée que j'ai pas faite. Mais je pense pas quand même, hein. Les probas sont tellement faibles. Bon alors, si j'avance un peu... Ouais mais c'est ça, hein. faut que je vise les coffres cachés. Hein. Là je vois qu'il y a un coffre scellé un peu... C'est quoi? Non c'est pas là. Non c'est là. Sinon qu'est-ce qu'on a? On a de la glace antique, bon je l'ai probablement fait déjà. Je ne la vois pas. Ah putain, si elle est là! C'est une vanne. Mais c'est une vanne, mais à quel moment je les ai pas faites? Oh là là. Mais c'est fou que j'ai pas fait ce genre de choses. Ou c'est que ça me donne rien, mais j'y crois pas. Oh là 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 là, mais genre j'ai jamais fait ça. Bon alors, le coffre scellé. Bon, je vois rien. Non, mais de toute façon, vu le nombre de coffres qu'il me manque, j'aurai largement le 100%. Là, il me reste, là, il me reste 1%. Je devrais l'avoir. Là, je vois qu'il y a un coffre luxueux si je vais là-bas. Non, même pas. Un peu ici, ouais. Mais bon. Je regarde un peu si ça se trouve avec ma vue élémentaire, je verrai un coffre. Ah, j'ai pas l'impression. Bon, les stèles, je vais noter qu'elles sont faites, du coup. Bon, la fée, j'imagine qu'elle a aussi été faite. Alors, full droite. Là, il y a un défi contre la montre. Ah! Ah non, je l'ai pas fait? Sérieux? Et la dernière, elle est où? T'es sérieux, genre, j'ai jamais fait ça. Il m'en manque une.
Ah, attends. Ah non, j'allais dire dans l'eau, mais non. Je pense qu'il faut que je tire une agate. Une agate pourpre. Mais je sais pas où il y en a. C'est bien, ça fait durer le stream, c'est bien, c'est bien. Ah ben là, il y en a une. Là, on a une pota. Une pote à nous. Ah bah attends, la dernière, elle doit être là-dedans. Hein. Putain, même pas. En espérant que la gâte respawn. Yes. Alors, tch. Parce que si ça se trouve, ce truc de glace, là, il est pas activé, en vrai. Ah si, il est bien activé. Mais je... Enfin, c'est bizarre. Pourquoi elles étaient éteintes, les torches? Attends, je vais réouvrir la map pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Allumer les torches pour attirer la fée ardente de sorte qu'elle passe à côté des sources de chaleur pour les allumer, ce qui débloquera la stèle cryo. Ah oui, donc non, en fait, c'est confirmé, je l'ai bien fait. C'est juste les torches qui sont éteintes. Bon, full droit du coup. Et on est censé voir... Défi. Yes, si. Ok. Un coffre ordinaire. Ah, que j'ai peut-être pas. Hein. Là-bas, dans... Ah, si. Ah non ? Oh, oh là 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 là, mais c'est fou que je sois passé à côté de tout ça, vraiment. Ok, je crois qu'il me manque un ou deux coffres, là. Et vraiment, ça me rend fou, mais c'est incroyable, quand même. J'ai juste fait la partie... En vrai, j'ai beaucoup visité, quand même. Hein. J'ai fait toute cette partie-là de Dodragon, et après, bah, j'ai longé le bord. Et là, j'ai gratté mes derniers pourcents sur ça, quoi. Mais là, c'est sûr, je vais l'avoir sur ça. Là, je vois qu'il y a des stèles élémentaires. Là, il me manque un ou deux coffres. Hein. Ça devrait aller, je devrais les trouver, quand même. C'est quoi, là? C'est allumer la torche, c'est ça? Ah non, il n'y a rien ici. Ouais, là, je vois qu'il y a une stèle élémentaire, donc je pense que... Je pense qu'ici, il n'y a plus rien à faire. Ok, donc si j'avance, on a un coffre au niveau du pont. Du pont Moretti, évidemment. Ah bah non, bah évidemment, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Si j'avance tout droit, il y a un coffre dans la hutte. J'imagine a été fait. Évidemment. Alors, si on va tout en haut de la montagne, on a un coffre qui a probablement été pris, mais on sait jamais. On sait jamais, hein, vraiment, au vu des coffres que j'ai pas pris. Bon, après, pour ma défense, tous les coffres que j'ai pas pris, c'est vraiment des coffres planqués. Mais en vrai, ça m'étonne parce que je sais que je suis passé à côté. Mais c'est juste qu'à l'époque, bah, je spammais pas ma vue élémentaire pour voir s'il y avait quelque chose d'interagissable et donc un coffre. Voilà, faut monter depuis tout en haut. C'est depuis en haut que tu peux voir le coffre, normalement. Mais je crois que j'y suis... Là, je suis déjà monté sur cette montagne-là pour une quête. Bon, allez, on va y aller tranquille. Il faudra que j'aille chercher une nouvelle bouteille d'eau, d'ailleurs. Venez plus d'eau. Non, en vrai, mis à part ça, bah content que le 100% de mon stat ait été si rapide. Alors, le coffre, normalement, il était censé être visible depuis... Bah, je crois que c'est là. Je crois qu'il est censé être là. Ouais, c'est ça. Il est visible depuis la torche. Ok. Bah, après, je vois qu'il y a trois coffres. Mais je crois que c'est des coffres que j'ai déjà fait. Alors là, en bas à gauche... Ouais, faut activer ces trucs-là. Bon, ah ouais, mais je me souviens de tout ça. Ouais, j'ai déjà fait ça. Là, on a un coffre si on active tous ces trucs-là. Voilà. Ah, attends, il en manquait un. Hein. On sait jamais, hein. Si ça se trouve, j'ai jamais fait ça. Ça m'étonnerait, mais... Ok. Alors là, c'est fait.
Après, on a un coffre qui est à côté d'un mob. Bon, lui, je m'en souviens, hein, je l'ai fait 20 000 fois. Un coffre enterré dans l'eau. Ah, ça. Ça. Probablement pas fait. Parce que ce coffre ne me dit rien. Un coffre qui est enterré dans de l'eau. Où ça? Comment ça? Attends, coffre enterré. Et il est où sur la carte? Là? Ah bah sur cette île-là. Ah oui, elle est pas répertoriée. Alors. Non, y a rien. Ah si, déterré! Ouais! Ça y est, j'ai 100% la pire région du jeu! Let's go! Eh bah c'est ainsi. C'est officiel. Mon stat a été 100%. Et j'aurais eu besoin de tellement peu de temps au final. C'est tellement rapide à faire, mon stat. Bah écoutez, je suis très content que ce soit débarrassé. Let's go. Et évidemment, on va prendre la miniature, comme d'habitude. Le dragon, 100%. Paf. Incroyable. Et bah nickel. Et bah écoutez, sur ce, moi je vais m'arrêter là, du coup. Putain, et moi, et tout à l'heure, j'ai dit je pourrais peut-être en avoir pour deux streams. Mais pas du tout! Eh bah let's go. Bah écoutez, je vais laisser une petite musique de fond. Tac. Peut-être ouvrir au moins le menu. Pour éviter que mes persos parlent. Eh bah écoutez, c'est officiel. Je ne pensais pas hein, que ça serait aussi rapide. J'aurais eu besoin que de 3 streams. D'une heure et demie, 2 heures. Et là, bah, 3 quarts d'heure. Pour finir Dodragon. Donc écoutez, c'est tant mieux. Que cette merde soit finie. Mais 100%, il me manque énormément de coffres. Parce que là, faut se dire que j'ai... Je crois que j'ai fait un tiers de Dodragon, là. Et j'ai eu les 5% qui me manquaient. Donc je pense qu'il y a au moins moyen de monter à 110% facilement. Mais écoutez, je suis très content que ce soit fini. Mais ouais, c'était que des petits coffres un peu planqués qui me manquaient. Enfin bref, et bah écoutez, sur ce... Bon là, il est 1h30 du matin, donc évidemment, je vais m'arrêter là. Il est assez tard pour que j'estime m'arrêter. Demain en après-midi, je ne sais pas à partir de quelle heure, mais demain en après-midi, je ferai le jeu de l'Opok, Angry Penguin. Je ne promets pas de terminer, mais voilà, on fera au moins un stream dessus pour voir. Au pire, c'est 2 euros, c'est quoi? C'est 2 baguettes, ça va, il y a pire dans la vie. Enfin, bref. Bah écoutez, je pense que cette VOD de Genshin sortira très prochainement. Voilà, peut-être une VOD bonus. Et puis voilà. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé et on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming. Allez, bonne nuit.